Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Bokeh. Nous allons vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité qui permet de planifier et organiser des agendas et des rendez-vous. En tant qu'administrateur portail, vous allez avoir un nouveau menu qui s'appelle Rendez-vous, dans lequel vous allez pouvoir créer des agendas. Ici, par exemple, on va créer un événement autour des voyageurs du numérique. Et les participants, ça peut être éventuellement les bibliothèques, mais éventuellement des invités que vous avez sélectionnés pour animer les journées. Par exemple, ici, Stallman et Jérémy Lachal. Une fois que l'agenda est créé, vous allez pouvoir créer des nouveaux rendez-vous dans des lieux. Là, par exemple, le 18 mai, de 8h à 11h, à Cornillon. Une fois que le rendez-vous est créé, je peux envoyer des notifications à tous les participants du rendez-vous. Cette icône permet de voir est-ce que les notifications ont été envoyées et on voit tous les participants du rendez-vous. Avec le statut de chacune des notifications. Si éventuellement il y a eu une erreur ou si on a besoin de rappeler à une personne que l'événement se produit, à ce moment-là, je peux recliquer soit ici, personne par personne, soit ici pour notifier tout le monde de l'événement. Il y a aussi une tâche batch, une tâche lancée tous les jours, qui permet de faire l'envoi des notifications. Elle vérifie tous les jours que l'événement ne se passe pas trop loin, c'est-à-dire 3 jours avant l'événement. C'est paramétrable. Elle va envoyer un message et un seul. Pour notifier aux utilisateurs de l'imminence du rendez-vous. Éventuellement, je peux aussi relancer manuellement cette notification. Voilà. Au niveau de l'administration, en tant qu'administrateur, les variables à utiliser et positionner sont notification delay, donc c'est la durée pour la notification de rendez-vous. Donc ici par défaut c'est 3 jours. Éventuellement vous avez la possibilité de changer le modèle du courriel utilisé. Par exemple ici on écrit cher nom complet, donc monsieur, nous vous rappelons votre rendez-vous avec le nom, la date et l'heure de début, l'heure de fin à tel lieu, et éventuellement on lui rappelle le commentaire. Voilà. Et il y a une variable enable rendez-vous qui permet d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité. Voilà, j'espère que
la fonctionnalité vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et à bientôt sur la chaîne Bokeh. Merci.